Salut les pêcheurs. Bon bah nous voilà installés en petite rivière pour quelques heures de pêche. On espère avoir une touche ou deux. Je l'ai légèrement amorcé. Là il est bientôt 11h du mat. Je l'ai amorcé donc ce spot. Enfin j'ai amorcé plusieurs spots sur une longueur d'à peu près peut-être 200 mètres quoi. Quelques spots par-ci par-là quoi, pour pêcher à deux cannes en pêche rapide. Bon ce coup-ci je suis pas venu en vélo. Mais la prochaine sera certainement en vélo. Donc deux cannes tendues avec des bouillées de tutti que je me suis fait là pour ma gueule un petit peu des fois. J'ai amorcé donc le lundi et le mercredi, là on est jeudi. Donc il y a eu deux amorçages à l'avance. J'ai réduit les quantités parce que bon, apparemment ça marche pas très bien de mettre beaucoup. Enfin, à ce que je remarque. Donc on va essayer comme ça, on verra bien. Donc 1 kg de petites bouillettes, par contre c'est de la 16 mm hein, sur les 200 mètres là, tu vois. Alors bon, c'est pas les 200 mètres complets, comme je vous ai dit, hein, c'est des spots. Donc 1 kg sur ça, le lundi, 1 kg le mercredi. Et là je suis arrivé, j'ai même pas amorcé les autres. J'ai juste amorcé les deux que je pêche avec une poignée pour les deux spots. On va pas retarder les touches, il faut que ça envoie rapidos. Enfin on espère. Là, les départs, s'il y en a, je parle pas très fort parce que je pêche que ma berge. Les cannes sont pas si loin. S'il y a du départ, ça va être violent. Ça va être très violent. Alors bon, l'autre téléphone, il est à moitié mort. Donc du coup, je n'ai toujours qu'un seul pour filmer les départs. Donc il n'y a qu'une canne des deux qui est filmée. Faites exprès, vous savez ce qui risque d'arriver. Hein. Bon, après, j'ai la GoPro. On va essayer de ne pas oublier d'appuyer sur le bouton. Comme ça, on aura des jolies images. Donc voilà. Donc il faut que je me refasse pareil une session de fabrication de montage là parce que j'ai plus rien d'avance. C'est vraiment la dèche. Comme en début d'année, là j'étais avec zéro montage à un moment. Putain, la honte. C'est vraiment la merdouille comme. Le gars, il est pas. Les deux choses les plus importantes, putain bordel de merde, c'est les montages et puis les appâts. Hein. Bien avant le matériel, bien sûr. Essayer de peaufiner ces choses-là. Les préparations, tout ça, tu vois. Et le montage, il est quand même très important. Il faut en avoir d'avance avec des hameçons qui piquent bien, des montages qui ont une mécanique qui marche bien, pas des trucs faits à l'arrache et tout. Même si des fois, ça marche. Hein. Mais bon, on essaie de peaufiner le truc. Mais il va falloir que j'en fasse d'avance parce que là, ça va être parti pour beaucoup de pêche sur cette fin d'année, si tout va bien. En lac, en petite rivière, et encore un petit peu la Saône. Je réessaye encore, je réinsiste. On va voir si ça va payer ou pas. Bon, et ben moi j'ai amené mon Mac là, donc j'ai du boulot, on va faire du montage vidéo pour la poulet épicée. Alors quand vous allez voir cette vidéo là, celle-là sera déjà sortie, hein. Ça c'est certain. Mais voilà, j'en profite, je la piche, je bosse un petit peu. Bon allez, je croise les doigts pour pouvoir vous montrer un joli petit poisson de petite rivière. Oh joli coco, oh joli coco. C'est parti dans les branches directes. Oh le rush, évidemment sur la canne qui filmait pas. Elle a voulu aller dans le bois direct. Hein. Contente. Non, 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 Coco, tu vas pas là-bas. Tu vas pas là-bas, c'est interdit. C'est dangereux. Pour toi comme pour moi. Je pense que ça a dû la sonner. Vu que je l'ai bridé très fort au début. C'est pour ça qu'elle aura un poisson de cette taille. Peut-être pas trop dire de conneries avant que ça arrive. Il pourrait faire un peu ce qu'il veut. Hein. Mais comme quoi, les Black Ops, elles font leur taf, bordel de fiac. Oui. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est pas contente. Ah bah là, on teste la Black Ops correctement là. Ouh, magnifique fiche.
Magnifique. Ouais, je me doute que tu as encore de la réserve. Je préfère l'autre côté, voilà. Ça, c'est mieux. Les rushs. Elle se met dans des espèces de wild, des herbiers un peu en dessous là. Ah, je comprends. Ouais, tchou. Oh merde, il y a un départ sur l'autre. Oh, putain de merde. Putain, je suis dans la chiasse. Ah, je crois qu'elle s'est décrochée. Merde, merde, merde. Oh putain, non, c'est pas décroché. Oh là là, je suis dans la douille. Oh là là. Quoi, donc quoi, les picheurs, on a deux cannes, c'est même trop en petite rivière. J'espère qu'elle se met dans les nénus, j'ai des nénus là-bas. Vite, mon épuisette. Vite, vite. Il va falloir faire les choses très vite. Allez, cocotte. Allez. Oh, on est sur de la pêche extrême, là. Allez, allez. Allez, rentre-toi, s'il te plaît. Rentre-toi. Ah putain, oh, elle utilise son poids maintenant. L'autre est toujours dessus. Comment ça j'ai perdu mon plomb, je vois ça, moi c'est pas normal. Oh putain, oh, elle est énorme. Oh elle est magnifique, putain je l'ai. Allez. J'ai une deuxième épuisette. Allez, repose-toi la cocotte. Il y a toujours. Par contre, je sais pas. Elle a dû prendre un paquet de nénus. D'herbier. Ça y est. Ah non, c'est tout petit. Heureusement. Je fais l'inverse. Je fais un poisson énorme là-bas. Elle a tout petit. Regardez ça. Pourtant, t'as vu un peu. Eh ben, les bouillettes à tout petit. On kiffe, hein. Regardez-moi ça, les picheurs. Regardez-moi ça, ce fiche. Alors, elle chie de la bouillette, mais un truc de malade. Comme je vous dis, à chaque fois, moi, je suis hyper content qu'elle chie de ma bouillette. Ça veut dire qu'elles en bouffent. Et donc, quand elles en bouffent, bah, tu les pièges. Que ma bouillette soit la plus digeste du monde ou pas, ça, c'est pas grave. On a un monstre. Oh. Ouais, et puis je regardez-moi ça, ce fils de malade. Oh, je suis refait. Oh, ce fils. Oh là là, une fan de mes bouillettes tuti. Oh, ce poisson. Oh là là, cette bouche de malade. Ouh, elle saigne un petit peu là. Ah, j'aime pas ça, putain. Avec les gros poissons. C'est super de faire des gros poissons en petite rivière. Hein. Mais automatiquement, c'est tout de suite beaucoup plus chaud. Tu vois là, je veux dire, j'en ai chié. Les épaules, elles ont travaillé pour pas que je fasse mal là. Mais c'est un truc de fou. Hein. T'as vite fait de les blesser. Alors, c'est pas grand chose, hein, mais t'as vite fait de leur faire une petite... Petite blessure, ça fait chier quoi, mais bon. On est complètement cinglé avec ces poissons de toute façon. Elle est magnifique. Magnifique fiche. Pouah. Là je suis refait. Je vais la remonter un dernier coup.
et puis je la remets vite à l'eau. Mais là, en pleine santé, en pleine forme, il manque pas une écaille. Poisson que j'ai jamais vu. Pouf, encore. Pouf. Parce que je crois pas que ce soit la même que je faisais et qui était déjà pas vilaine à 17,5, celle-là est plus grosse. Oh, ce poisson de malade. Je suis refait. Allez. Ouais, alors vous inquiétez pas, c'est un bracelet, il n'y a pas de métal, c'est que du caoutchouc. Hein. Parce que je connais déjà, oui, attention à ta montre, machin. Généralement, après, des fois j'y pense à l'enlever, mais celle-ci, c'est pas grave, c'est tout du caoutchouc. Il n'y a qu'un point métallique, là, c'est tout rond. Et je fais gaffe de ne pas la frotter avec, bien sûr. Voilà. Bon. Allez, oui, c'est bon. Je suis là, elle a laissé traîner la peau, elle veut retourner à l'eau. Allez, on la remet à l'eau, et puis je me suis refait. Et puis on va vous montrer la deuxième. Le deuxième poisson, il est pêcheur. Eh ouais, mais elle a son importance, c'est pas parce qu'elle est petite. Et heureusement qu'elle était petite, parce qu'imaginez-vous le travail. On a beau essayer de faire les choses proprement avec les poissons et tout. Et des fois, pourtant que deux cannes. Je me suis dit, allez, j'exagère pas, je mets deux cannes. T'es tendu comme un string, ma petite. Je vais te remettre à l'eau tout de suite. Voilà. Un petit poisson de 2 kilos. Alors c'est sûr qu'à côté de l'autre ça fait un sacré contraste, mais ça fait trop plaisir quoi. Hein, je vous ai mis le départ là, t'as vu un peu comme elle l'a secoué la canne, c'est pas la grosse, hein, c'est elle. Hein. Purée, elles ont la gouache, un truc de ouf, ça y est, elles doivent commencer à faire les réserves. Ouah, je suis refait, deux poissons, ou quoi, ça faisait 15 minutes ça pêchait. Pff, truc de mal, là c'est dantesque. Je suis refait, je suis encore là pour 4 heures. Il y a moyen que ça repète à votre avis? Bon, on va voir ça plus tard. Allez, j'en mets à l'eau. Donc, première chose, les pêcheurs, quand je vis un moment monumental comme ça, avant de remettre les cannes même, c'est bouillette. Elles ont l'air de becter. On peut en mettre trop non plus, parce que tu vois, je pense que d'en mettre de trop, ça, je dis pas qu'on prend rien, mais ça peut retarder les touches, à mon avis. Voilà. Là, je préfère qu'il y en ait un petit peu plus. Parce que vu que j'ai stressé le coup, il y a sûrement des poissons qui vont revenir, mais pas tout de suite. Et je préfère qu'il y ait un peu plus d'appât quand ils vont arriver. Tout simplement. Voilà. Et une dernière. C'est rush ça. Hein. Là, je préfère qu'elle parte dans les herbes, dans les branches. L'autre côté. Ouf, ouf. Ça, c'est petit poisson bien nerveux, dans les 5-6 kilos à mon avis. Combat typique. Bon, est-ce que je vais réussir à la sortir? Et vu tout ce qu'elle a pris comme merdouille d'herbe. Un peu plus grosse que l'autre. Mais ça fait trop plaisir. Là, une pêche où il y a une pêche rapide où je fais plus de poissons que sur deux jours en saume, bordel. C'est pas prendre toutes les herbes du quartier. Ouais, c'est impossible de faire quoi. Un kilo de plus que l'autre. Que l'autre petite. Voilà. Trois fiches, les pêcheurs. En moins de deux heures de pêche. C'est juste de la dinguerie. Bon, ben, c'est une super pêche. Une pêche rapide de ouf, les pêcheurs. Vraiment génialissime. Un poisson d'à peu près 4 kilos, là. En longueur bien nerveuse qui a fait un joli combat. Regardez-moi ça. Le troisième fiche. Ah, elle est magnifique. Oh, trop content. Franchement, trop content cette pêche.
vraiment super, bien nerveuses, beaux petits combats, beaux poissons, elles sont pas abîmées, elles commencent à manger un peu, j'ai l'impression. On est en octobre, mais ouais, elles doivent se prendre comme en septembre, et c'est en septembre qu'elles commencent à manger normalement, donc peut-être ça va enfin démarrer. On espère que ça va continuer. Voilà, on est né nu. Un petit peu plus gros que l'autre. On le sent à la patate. Hein. Coco nerveuse. Les miroirs sont pas au rendez-vous. Et on va pas se plaindre, les picheurs. Oh là, les Black Ops seront donnés. Yes, quatrième fiche. Quatrième poisson. Là, on est aux anges. Et un joli poisson d'à peu près 7 kilos là. Bien nerveux. Typique de rivière. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, chut. Laisse-toi faire. Et je te remets vite à l'eau. Une sacrée bouche. Là, la bouche de la commune de Rivière, vraiment. Bien charnue, bien robuste. Magnifique. Trop content. Quelle pêche. Quelle pêche de ouf, les picheurs, vraiment. Pêche rapide. 4 départs, 4 fiches sorties. Pff, que du bonheur, rien à moi ça. Elle est magnifique. Allez, on va remettre cette cocotte à l'eau. On va remettre la ligne. Il reste encore un peu de pêche. Mais c'est de la folie. Bon, et ben on arrive à la fin de cette pêche rapide en petite rivière qui aurait été un carton plein. Franchement, pour moi, ça c'est un carton plein. J'aurais fait 4 heures de pêche en tout. Je suis arrivé. J'aurais fait à peu près 4 heures de pêche en tout. Bah, peut-être un petit peu plus. Là, ça s'est bien calmé. Ça fait 1h30 qu'il n'y a plus de touche. Là. Donc, je vais plier. Milieu d'après-midi, c'est impeccable. Moi, j'aime bien. T'as pas besoin de te lever tôt le matin. Ça, c'est vraiment le genre de pêche que je surkiffe. Les pêches rapides comme ça, boah, c'est génial. Franchement, même il n'y aurait eu qu'un seul ou deux poissons, je veux dire. Mais là, c'était vraiment une pêche ultra réussie. Bon, bah, mes bouillettes, bah, automatiquement, j'en suis content. C'est pas forcément que grâce à ces bouillettes-là, j'ai fait tous ces poissons. Hein. Surtout, j'ai amorcé que 2 fois à l'avance. C'est pas non plus un conditionnement de malade. Hein. Mais bon, bah, j'étais là. Où étaient les poissons? Et ils mangeaient. Donc, une fois, ça fait plaisir. La chance était avec moi et, mis à part le rompu, mes montages ont bien fonctionné. Donc, on s'est régalé sur les combats.
un vrai régal, une petite pêche totalement réussie. Ça faisait longtemps, ça fait vraiment du bien. Donc maintenant, plus qu'à réussir réellement une pêche en Saône, comme il faut, dans le même genre, tu vois. 4-5 touches par jour, je trouve que c'est une pêche réussie pour moi, autant en petite rivière que pour les grandes rivières. Hein. 4-5 départs dans la journée, tu restes 2 jours, 3 jours, tu vois. Tu es donc 10-15 départs, tu restes 3 jours. Je trouve que ça, voilà, ça c'est une pêche réussie, tu vois. Les gros cartons où tu en avais 15-20 départs dans la journée sont loin. Ils sont assez loin sur la Saône, hein. C'est compliqué. Bon, après, en petite rivière, j'ai jamais connu ça, mais j'ai déjà connu pas loin de 10 départs quand même. Hein. Donc c'est quand même pas dégueu sur une journée. Mais moi, ça me va. Je suis refait. En plus de ça, un poisson magnifique, un vrai bloc du bijou, de la pure merveille, sauvagerie de petite rivière. Donc, je vais revenir de temps en temps faire mes petites pêches rapides à deux cannes avec mes deux Black Ops. Comme ça, c'est un vrai régal d'utiliser ces cannes. Prochaine fois sûrement en vélo, sur un autre spot. Comme je vous ai dit, j'amorce plein de petits spots, comme ça je vais les entretenir de temps en temps. Et puis pendant mes vacances, comme ça, là, de temps en temps, une petite pêche de quelques heures. Et puis à d'autres moments, bah, des pêches un peu plus grandes en Saône ou en lac, comme je vous ai dit, parce qu'on va bientôt y attaquer. Bon allez les pêcheurs, moi je vais plier ça. Là, ils sont en train de pêcher, mais il n'y a plus rien, plus de tape, plus rien du tout. L'activité s'est vraiment réduite. Donc elles ont vraiment mordu dans le moment d'amorçage. Ça c'est quand même un bon petit point qui peut faire réfléchir un peu. Donc on va continuer comme ça et continuer à venir pêcher dans les heures d'amorçage et continuer les heures d'amorçage à l'identique. Et on verra si ça continue à faire ce genre de pêche. Bon allez, je remballe tout et puis la prochaine on se retrouvera certainement en Saône. Ouais, je pense que ce sera en Saône. À moins que ce soit en lac, mais... Si c'est en lac, c'est pas bon signe. Non, mais normalement, la prochaine, ce sera en Saône, les pêcheurs. Allez. Oh, touche. Ouais. Mais c'est blanc. Bon, c'est définitivement une pêche de malade. Miroir, et ça doit faire plus de 15. Bon, ben voilà les pêcheurs, hein, la pêche se finit sur ce poisson. De ouf. Je m'y attendais pas, là, vraiment. C'était le calme plat depuis 1h30. Pour miroir, que j'ai déjà pris. On la connaît, celle-ci. Même Baptiste l'a pris. Et j'ai dû la prendre, je sais plus, je l'ai pris une ou deux fois déjà, Baptiste une fois, là encore. Alors elle est chie pareil de la bouillette. Ouais. Par contre, elle bouffe. Hein. Tu vois, c'est, on l'appelait, je sais plus comment on l'appelait, Quasimodo, je sais pas quoi ce qu'elle est. Enfin, elle est pas belle. Elle a les nageoires toutes défoncées et tout. Et ben pourtant, elle grossit. Hein. Elle se porte bien. Je peux te dire qu'elle fait au moins 2 kilos de plus. Là, elle fait plus de 15. Et moi, ça se fiche de ouf! C'est quoi cette session malade, là? Cette pêche, enfin, session, c'est une pêche rapide. Pouah, c'est vraiment une pêche rapide de gogol! 5 fiches, dont 2 mammouths. Pouah, que demander de plus? Que demander de plus? Mais ouais, elle a pris. Hein. Elle a pris sévère. Hein. T'as aimé les bouillées de tutti, toi, dis donc, hein? Puis tu manges pas que ça, hein, parce que j'ai mis en bouillie de tutti qui t'a fait prendre des 2 kilos. Hein. Allez, t'es déjà assez déglingué de partout, on va vite te remettre à l'eau. Bon ben voilà pour le poisson, là, ben, magnifique quoi, encore une miroir que j'ai déjà pris, qui a grossi un petit peu, hein, c'est bien ce qui me semblait, elle a grossi un peu. On est au-dessus de 15, donc encore un gros poisson, purée, cette pêche de folie quoi. Pff, 5 départs. Tout en journée sur mon créneau horaire. Bon là il est dépassé un peu hein, mais ouais, c'est une dinguerie hein. C'est une dinguerie hein. Donc du coup là, j'ai encore une canne qui pêche là, mais bon celle-là elle est pas repartie depuis. Je pense que la grosse elle est arrivée de là, elle a pris, puis je pense que toutes les autres arrivent de là-bas. Mais en fait je l'ai laissé parce que je me suis dit peut-être c'est un passage que quelques gros poissons prennent, tu vois. Donc si je pouvais retaper un monstre d'ici, tu vois, ben bon, je pense que j'ai tapé un des plus gros poissons qui soit. Donc voilà, cette pêche se termine. J'enlève ma deuxième canne là
je plie et je rentre à la maison. Je vous souhaite une bonne piche à tous, des belles sessions comme celle-ci, tu vois. Parce que si je vous souhaite des sessions comme celle de Saône, ça ne va pas le faire. Et puis, portez-vous bien et à plus. Salut !